Eh bien, salut à tous, c'est Deimo et Ophir. Et on continue notre aventure dans les grotesques, grotesques grottes de... Comment s'appelle ce monde de... Fil de laine, non, ça c'est la ville. Oh, fil de laine, tiens, c'est cool. Fil de laine, voilà, le monde de fil de laine. Alors, donc on est arrivé devant les quatre poteaux, il y a écrit « Eau, terre, air, feu, dans le double de cette cellule, votre double affrontera votre allié ». Donc ça ne veut rien dire, et ça fait peur. Du coup, on fait quoi? Quand tu la relis à moi, nickel. Bah, moi je propose d'utiliser les trucs vent, air, feu, enfin tu sais, il y a les quatre éléments, quoi. On commence par par eau, tant qu'à faire, on essaie de faire le truc tel que ça indique. Vas-y, vas-y. L'eau, c'est à gauche. Super, ouais. Ok. Ok. Ah, d'accord, c'est une énigme en fait. C'est pourri comme énigme, on te donne la réponse. Essayez de terre. Attends, ça se trouve, ça veut rien dire. Terre. R. R. Oh merde. Et feu. Tu l'as activé R déjà? Non. Là. Et feu. Et feu. Et. Ok, ça ne fait rien. Bien. Alors attends, il y a écrit quelque chose d'autre en dessous, non? Ou pas? Est-ce que ça a changé un autre? Dans le double de cette cellule, votre double affrontera votre allié. Le double de cette cellule, votre double à France. Ça a rien changé à l'extérieur. Bon, sinon, on essaie d'appuyer sur deux boutons en même temps. On voit ce que ça donne. Les rats, ils t'ont dit quoi déjà la dernière fois, les rats? Alors, les rats, ils m'ont dit que c'était. Oh, ils nous détient un cep là. Ils m'ont dit que c'était une tombe. T'es prêt? Alors, attends, je leur reparle. Je leur reparler. Alors les gens qui viennent s'aventurer ici sont drôlement bizarres dans leur genre. J'ai vu certains contempler cette tombe pendant des heures, ok, d'accord, donc c'est une énigme bien sûr. C'est pas qu'ils ont galéré comme nous. Hey, il y a un donjon du même genre que celui-là, non loin d'ici, je l'ai vu. Ah, vous croyez qu'on peut faire de la percussion avec ici et là-bas? Ah c'est ça, ok, ouais. Donc on a fait notre bail. Maintenant on s'en va. Merci les rats. Si on trouve le deuxième donjon, du coup faudra qu'on fasse la même chose. Pas, mais... Ouvrir ce coffre, ouais, ça m'aurait étonné de ta part. Du coup, on essaie de rejoindre l'endroit qu'on doit prendre depuis le début. Ok, ça crame ici, enfin, il y a du feu, hein. C'est par là. Avance-toi de manière... Avance-toi de toi, parce ouais. Que t'as Madora avec toi, quand même. Ouais, mais toi, t'as le voleur. Ah, il y a un élémentaire de feu inférieur. Il y a deux élémentaires de feu inférieur. Au combat, d'accord, trop tard. Oh, trois élémentaires. Ça va, c'est pas... Ouais, par contre on connaît pas leurs faiblesses, ça c'est chiant. Si, moi je vais les examiner à mon tour de jeu. Ok, du coup, est-ce que je peux toucher avec ça? Mon avis, c'est l'eau, hein. Non, bah tu sais quoi, je vais passer mon tour. Vas-y, à toi. Parce qu'il faudrait que je fasse pleuvoir la pluie, parce que ça va être chiant de courir partout. Ouais, vu en plus dans l'environnement où on est là... Il y a de l'arbre de poussière des fois. Là, ça me brûlait. Ouais, ok. Du coup. Essaie d'éloigner Madora de nous, comme ça s'ils font des zones, au moins ils vont viser que Madora vu que c'est la plus résistante. Voilà. Ouais, comme ça c'est bien. Ouais, enfin je suis pas certain que ce soit forcément la meilleure idée. Ah, c'est quoi ça? Ah, des machins. Ok, bon. Je passe son tour pour regarder des PA. Vas-y, à toi. Ah, il y a un mort-vivant aussi, un pyromancien mort-vivant. Ils ont 200% de résistance au feu, et c'est O et R qu'ils aiment pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire pleuvoir. La zone. Ah, ça fait du bien là quand il pleut un peu. Enlever un peu de feu déjà. Ça a monté leur résistance. Pas de humidité. Bon, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé sur les rats. Je vais m'avancer là. Et. Oh, j'ai. Attends, est-ce que je peux gagner? Non, pire, c'est pas grave, hein. Non, mais si je peux le taper. Oh, ça leur fait super mal. Oh, t'as mis une zone là en plus, ça craint. Enfin, ça craint pour eux. Mais tu peux pas jouer les mecs, c'est bon. Ouais. Et il a retardé son tour, je crois. Il est pas retardé son tour. Voilà. Et il y a l'autre là-bas. Il approche dangereusement de lui. C'est bon. Et
cochaille. Ah non, attends, je vais viser l'autre machin là, derrière, non? Il y en a un que tu peux tuer, mec, tue le feu élémentaire de feu. Attends, non, j'ai d'abord assommé lui là-bas, boum. Et ensuite, je vais faire un ricochet. Ouf. Parfait. Là, à toi. Le feu. Gaffe, mec, hein. Putain, là, tu t'es cramé. C'est relou. Oh, tu prends tellement cher, mon gars. C'est ouf. Pas mal joué, même. Du coup. Ouais, on va faire ça. Manqué, ok, d'accord, génial. Présent. Forcément échoué, ok, ça c'est pas cool. Mière. Vol, donc ça m'étonne que ce soit difficile de les faire tomber à terre. Attends, brûlure, ça fait quoi? Est-ce que ça. Si, c'est ça, renversement de brûlure, attends. C'est... Oh putain, c'est 3. Ah putain, si seulement t'avais fait un pas sur le côté avec Volgar, j'aurais pu te soigner ta brûlure. C'est pas grave, je vais. Tu lui fais un premier soin. Ouais, mais avec mon archer, ouais, du coup. Hop. Vas-y, à toi. Attaque. Ouais, je sais pas lequel. Déjà, je vais attaquer lui. Ils prennent cher avec tes boules, tes petites boules là. Faut croire que si. Non mais. Il y a encore du feu qui sort de lui alors qu'il est congelé, c'est chelou. Et du coup premier soin. Non il s'est bon, il a arrêté de brûler. Ah, mais... Donc achève l'élémentaire. Attends. J'aime pas les mages comme ça là. Hop. Pire je l'achève avec Volgraf, je pense. Je suis même pas sûr en fait, c'est ça le problème, mais. Lequel tu veux? Ah, celui qui est en face de Brûlure? Ouais. Bah, le truc, c'est un, c'est chiant. C'est chiant en fait. Je vais faire ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que en coup normal, je peux pas. Putain, il brûle encore, mais qui va crever. Hein. Il ouais, putain, heureusement qu'il a une popo de soin, quoi. Ouais, t'inquiète, là, j'ai pas tenté le diable. Corbillon. Et derrière, lumière divine. Tiens, prends un flash dans tes yeux. Ah merde. Là, ça a échoué. En gros, ça a pas servi, quoi. Tu peux lâcher, toi, hein. Voilà. Il nous reste plus que le mage. Du coup, le mage, bah, j'en fais dans mon affaire. Hein. Failli brûler Madora. Hein. Pardon, ça avait choix. Non, manqué, non, putain. Il est quasiment mort. Hein. Ouais, ça y est, il a 2 points de vie. Chaleur. Poum. Ah merde, elle a sauté dans le feu. Lingot de fer, je te laisse les ramasser. L'or. Oui, il n'y a plus beaucoup de feu en face. Enfin... Un petit coffre là-bas. Et une trappe. Bon, il y a plein de trucs là-bas à ramasser. Oh, il y a un arc court non identifié. Flèche renversante que je t'envoie. Ouais, les flèches renversantes, je vois. Une maille délicate. Ça peut être bien pour Madora. Ouais. J'envoie Madora. Alors, on va identifier l'arc. Il faudrait qu'il soit mieux que le tien, mais bon. Arc court du médecin, spécial. 15% d'afficher le statut coup de froid pendant 2 tours. Je te l'envoie, écoute, hein, s'il te plaît. Vas-y, alors hop. Faire bouffer, donc tu me l'as envoyé, et c'est quoi comment? Ah oui, l'arc court du médecin. Il fait que dalle de dégâts. Il est pas ouf du tout. Du coup de froid, je sais pas ce que c'est. Donne un sort, c'est un sort que j'ai. Ah non, je l'ai pas.
Je vais le mettre, comment ça se fait que je l'ai pas? Alors donne une flèche renversante, ça c'est cool. Bah mec, est-ce que t'as des fioles vides? Vu que t'as bu des potions. Non. Non. Bah non. Non, des fioles. J'ai pas l'impression que ça fait des fioles vides une fois que j'ai bu des potions. Hein. Ouais, parce que quand tu bois une bouteille de vin, ça... ça le fait, donc c'est pour ça que... Le shop c'est vide. Ah bah là, non, ça marche pas. La bouffe ou pas? Ah, j'en ai pas beaucoup. Hein. Pain. Envoyer du pain, mais c'est pas ouf le moins 1 en vitesse. C'est pas grave. Oh, on peut glisser directement sur les petites icônes, je savais pas. Ouais, excuse-moi. Pas mal ça. Attends. Bah du coup vu qu'on sait pas trop ce qu'on va affronter, c'est un peu galère. Bah la petite sauvegarde hein, qui fait toujours plaisir. Ouais. Là elle est bien. On peut aller dans la trappe hein. Dans la trappe hein, pardon. C'est parti. Oh. Bah voilà, t'avais raison. Du coup c'est la même. Vas-y, parle au rat. Ah j'avais raison, c'est le rat hein. Qui avait raison. J'ai parlé à Madora. Adora, pas le rat. Et le rat arrête de bouger. Ah. Et il y a un danger, il me dit la même chose que l'autre rat là. Très bien. Il y a un deuxième rat, à mon avis, il va me dire que c'est dans une tombe, blablabla, blablabla. Je vais aller le voir. Vas-y, avance un petit peu. Ah tiens, il y a un minerai de je sais pas quoi. Dans le 2, c'est celui où d'autres. Ouais, ça, il me dit pareil, la même chose. C'est du minerai de fer, putain j'ai trop de choses à porter. Je me demande s'il faut pas que toi t'ailles dans un autre et moi je reste dans celui-là. Chelou. Pas que c'est ça. Ça serait compliqué quand même. Moi je pense pas que je puisse survivre au combat. Alors c'est quoi les trucs à faire là, ici? Terre, eau, air, feu. Terre, vas-y. What? Tout en haut, côté 1, hein. C'est l'autre côté, hein, mec. Hein. Ça, c'était le feu. Ça, c'était. C'est R, là. C'est R, c'est un nuage. R, c'est celui-là. Et... ouais, il y a du feu dessus, alors. Je sais pas, il y a de la fumée. Ouais, non, t'as raison, d'accord, raison. Et feu, vas-y, feu. Mais il se passe rien, en fait. Vous avez peut-être raison, attends, je vais peut-être. Ah, tiens, des sapes, attends. Juste prendre des sapes qui sont là. On sait quoi on va faire en même temps. Si je vais aller de l'autre côté. Pas mal se finir mon petit vol grave tout ça. Hop. Je peux pas parler, je sais pas ce que vous dites. Putain faut que je change de dague aussi là. C'est quoi ces dagues? Change de dague, faut qu'on trouve pas mal de choses. Alors. On trouve aussi une épée pour Madora et un bouclier pour Madora. Oh! C'est quoi? Ah bah voilà, un poignard. Ok, bah y'a un rat qui est mort décédé, j'ai pas compris pourquoi, mais bon. Mort décédé. Oui, mort décédé, pardon. Moi j'ai haut en premier. Ah attends mec! J'ai une idée. Quoi? Essaye de faire haut toi plutôt. Essaye de faire mon code et moi je ferai ton code. Vas-y, fais haut. Dans le double de cette cellule, votre double affronta votre allié. Ça veut dire qu'en gros, si on fait tous les deux un truc, on affronte ce truc. Non. On va voir, mais à mon avis, c'est toi qui dois. Dis-moi ce que tu fais. Un truc au bif. Dis-moi ton code, toi, ton code à toi. De ton côté, là. R-O-R-F-E. Alors attends, je vais faire terre. Hop. O. Ça envoie des trucs. R. Mec, ça envoie des trucs partout.
faire, c'est... Et feu. Heureusement que je me suis poussé avec un frame des boîtes. Alors ? Eh bah t'as lancé un combat. Putain, j'affronte les doubles. Oh, j'arrive, je vais t'aider. Je cours, attends, je couche. Mystérieux adversaire niveau 5. What ? Ils sont envoûtés, non ? T'as pas l'air d'envoûter l'autre gars, là ? Je suis tout seul, gros. Ouais, bah oui, j'ai vu, l'autre gars, il a envoûté le voleur. J'arrive, je cours. Ah ouais, je te vois en combat. Oh putain, il est vraiment envoûté et tout. Oh, c'est qui ça? Mystérieux adversaire. C'est bon, t'es en combat? Ok. Ouais, je suis rentré en combat, ouais. Faut tuer la meuf sans tuer votre Graf. Ah ouais? Ah, et tu le congèles, le Graf. Non, c'est la meuf que je vais congeler déjà, parce que... Mais il voit le Graf, si il le triche, il va te taper, mec, hein, si tu le congèles pas. Ah c'est ça la zone, putain, allez d'accord. Et moi on est là pour ça. Hop. Ah putain, le terrain est tellement pas favorable à mes flèches quoi. Ah c'est chiant. Ah, je tente ça mais ah voilà, hop. Putain, renversement à l'échoué quoi, c'est sérieux. Renversé. Genre débit. Vas-y, okay. C'est mon ami, tu auras une surprise. Non. 2. Là, j'ai toujours pas la portée, quoi, c'est abusé. Non, 1, 2, 3. Pas grave, au bon, là, tu peux faire préparation au combat là. Pire, c'est pas grave. Non, c'est bon, je peux foncer dessus là. Oh poum. Renversement échoué, tu peux pas le renverser, ouais. Ah, le rat il va mourir. Mais pour l'instant, je l'ai au cac. Ah, il balance une grenade. Oh elle rebalance une grenade, non mais c'est sérieux? Non, elle va exploser! Wouah, la violence! Dur! C'est mon gars! Dur! Dur! Tu peux taper? Tu peux taper ou pas? T'es pas en train de crever non plus! Mec, j'ai empoisonnement plus brûlure! Soigne-moi! Bouge de la brûlure! Bouge de la brûlure! Ouais, si! Non, mais quelle est au début, et après y'a plus de musique, du coup Ouais. Ok, alors, du coup. Je tape. Vas-y, je tape. Oh là là. Elle va mourir dans 40 ans, mon gars, c'est chaud, hein. Non, ça va, ça va. On prend que balle de dégâts. Hein. Faut avoir tous les maîtres, elle, hein. Fais-lui des dégâts, mec, hein. Oh, fais de la pluie, vas-y, fais de la pluie. Ça. Mon envoûtant il dure encore un tour sur l'autre là, sur Volgraf. Ouf, putain. Heureusement qu'on a pas bien équipé. Bouclier, what? Sérieux? Ça veut dire quoi? Arrête, what the fuck, mec, je vais crever quoi, c'est abusé. Tu vas mourir comme un caca, mon gars. Ah, heureusement qu'il pleut, mais le brûleur n'a pas duré du coup. J'espère que tu meurs pas de l'empoisonnement, mon gars, à la fin de ce tour. Ah bah ça... Jamais. Jamais. Ok, non mais t'approches pas de moi, mec, t'es fou quoi. Attends mec, j'ai l'air d'un zombie. Attends, si je fais ça, putain, le poison est trop élevé. Si je fais ça, cramé non plus. Ça, ah ça fait bien ça. D'argent, meurs, monstre impie. Poum, c'est tout. Ouais, enfin, mec, genre, tu connais en créature. Hein. Vas-y, il peut jouer, Volgraf, enfin. Pas feutré, je vais me rapprocher. Hâte. Toujours invisible. Vu que ton invisibilité ne servait à rien, quoi. Putain, je comprends pas. Vas-y, cours. Ok, le tourbillon. C'est au hasard.
Oh putain, elle est pas morte. De PV ou je sais pas. Mais de toute façon, elle est étourdie, tu me diras. Vas-y, finis là. Oh, elle a lâché des trucs. Oh, une flèche de ralentissement. Il y a une trappe qui s'est ouverte aussi, ouais. Elle a lâché masse truc, effectivement. Bon, j'ai pas envie de réaffronter ça, moi. Ouais, moi non plus. Potion moyenne de soin, je la prends. Potion de résistance au poison, ça prend là, ta résistance au poison. Du couteau, je le prends pour vos graphes. Il y a un anti-front aussi. Anti-front, c'est quoi? Il le prend pas, je comprends pas. Quand même. Oh, anti-front, ah, c'est ça. Magnifique, d'accord, c'est trop bizarre. Ok, bah j'ai un pendentier, je vais le mettre. Ça sert à rien, mais. Oh, j'ai du bien sur moi. Enfin, une. On descend dans la trappe. Je qu'il n'y a pas d'autres trucs comme ça. Tu t'es soigné aussi. Comment ça se fait? Non, c'est parce que j'ai mangé le bon truc. Les frites froides. Il faut les faire chauffer, c'est meilleur. Full life, je soigne après. Hop. Quoi ça, un verre d'eau? Non, je vais te soigner. Ah, il faut soigner Volgar, Volgar, Volgraf, putain. Bon, du coup, on se refait pas de combat comme ça. Hein. Pour l'instant, en tout cas, si on a besoin de stuff, on fera. Mais attends, t'as oublié l'autre là? Volgraf, faut que tu le relies à toi, hein. Et du coup, il a été délié. Alors, il y a quoi dans cette trappe? Oh, dans une grotte. Très jolie grotte. Je suis là, mec. Hein. Par contre, ouais. Ouais, passe devant, du coup, pour l'instant. Au pire, elle peut foncer, elle peut charger. Je vois des rats, je vois. Ah, il y a un rat. 15 secondes, je soigne le gars. Ouais, moi aussi, je suis pas fan de la caméra. Là. Allez, le petit rat, mec. Ouais, là. Non, je vais lui parler. Oh putain, c'est galère d'être en vue de dessus comme ça. Déjà d'être pendentif sous la main, tout est ok. Ok. J'ai un pendentif moi, j'ai trouvé un pendentif rond. D'accord, ok. Il passe devant mec, c'est toi qui as détection des pièges. Non, c'est toi déjà, et en plus c'est Madora la plus tankée, donc c'est toi qui désamorce. Moi j'ai pas aucune détection des pièges hein. Mais si, mais c'est Volgar, je te parle, le mec avec toi. Ah, attends, bah voilà, pendentif. Mec, je crois qu'on est obligé de faire les deux. Hein. Comme tu peux le voir en face, à côté, je veux dire, il y a la même chose. Ah. On doit déposer autre chose aussi, donc on est obligé de faire la même chose. C'est toi qui commences parce que t'as Madora et. Oui, je sais. Et je vais préparer le combat aussi avec du poison et je vais la faire exploser en mille morceaux, là, machin, enfin voilà. Cool. De parler à ma compagnonne. Compagnonne. Non, non. Gertrude. Toi, Gertrude. Du coup, toi, tu restes ici, mec. Je reste ici, après, je te rejoins. Je te dirai le code à faire. Par contre, te mets pas au milieu, hein. Non, j'ai compris que je fallais pas se mettre au milieu. Des plaques dans tous les sens, si j'étais resté au milieu, je serais mort avant que t'arrives. J'ai compris, t'inquiète pas. Heureusement que t'as commencé par le R en plus hein. Ah le quoi? Heureusement que t'as commencé par l'R, enfin je sais plus par lequel t'as commencé mais c'était le plus
tout. Et du coup, je fais, oh putain, je me suis tiré. Et après, t'as eu les pires trucs qui sont passés. Donc, c'est O. Attends, O. Ouais. Okay. O. O. Ouais, d'accord. Terre, vas-y, c'est de la glace, ok, vas-y, terre. Putain, R. Non, c'est O, terre, air, feu. Ah, mais j'ai fait R en premier. Ah, bah c'est O alors, vas-y. Attends, mais t'as eu de la glace, je comprends pas. Moi j'ai eu de la glace de mon côté, en fait, t'as des boules qui sont été éparpillées de partout là en fait. C'est dur que tu t'étais trompé. Quand t'as fait O, toi t'as pris le nuage ou t'as pris le truc chelou? Non, moi j'ai rien pris dans la gueule, j'étais à côté donc ça allait. Le premier, dis-moi ton code. Tu me dis ton code et je te dis ce que j'ai pris. Non, écoute, on va recommencer. C'est O en premier ton truc? Ouais, O. O. Pour moi, ça c'est une vague. Ouais. Terre. R, feu. R. Feu. Ouais, ça a lancé un combat, putain, viens vite mec. Il a l'air méga violent, en plus c'est un mec à l'épée. Et il fait quoi en premier? Il fait de la pluie, ok, c'est chelou. Il fait de la pluie en premier. Il va électrifier tout ça à mon avis, mon gars. Oui, et là non, il fait de la glace. Et il a échoué le gel sur ma shield, sur Madora. Et putain, il attaque combien de fois par jour là? C'est abusé. Et il s'est fait un bouclier de foudre, ouais, en effet. Oh, putain, j'arrive de ce côté. T'es rentré dans le combat, c'est bon. Ah, c'est toi qui joue comme ça quand t'es le mec. Ah, bah ouais, lui il attend pas, lui. Hop, vas-y, hein, tu peux faire tes conneries, hein. Mes conneries, je vais te montrer ce que c'est l'art d'un magicien, mon gars. Mon petit. Tu vas me respecter, moi je te le dis. Vas-y. Ouais, il est misé contre l'étourdissement. Y'a pas de problème. Ouais, je l'ai. Il est immunisé contre le gel. Non, il est pas immunisé contre le gel, mais voilà. Ok, bon, alors. 4-4, ok. Ok, mon gars. Pouf, empoisonnement. Ah, il résiste pas à l'empoisonnement. Ah non, non, non. Et boum. Brûlure à échouer. Aucun dégât. Ouais, il a pris aucun dégât, je suis un peu daillé. Et tu peux. Et puisque tu peux survivre au renversement. Non, il renverse. À mon avis, c'est des mecs exprès, tu peux pas les renverser. Merde, il est invisible. Je vais me mettre là. Et tourbillon de Wada. Je touche personne. Ok. Il est invisible en fait, c'est chelou, mais je le vois. Ah, tu peux jouer à ça? Moi aussi, j'ai des sorts de foudre, ma gueule. Moi aussi, j'ai des sorts de foudre. On va rigoler, je te le dis. Non, il est toujours empoisonné, ouais. Pas d'empoisonnement. Allez, fais les auto-attaques là. Oh là là, mais ça me saoule de faire les auto-attaques, à chaque fois je manque. Vas-y. Vas-y, va te battre, hein, mec. Ouais, tu peux y aller, hein. On verra pour le prochain tour. Est-ce que je tente de le renverser? Non, vas-y. Non, ils sont là. 37 absorbes. Ouais, il est fort. Hein. Attends, je vais faire ça. Ah ouais, le bouclier, ça fait trop tanker. Ça fait de ouf. Heureusement, tu peux pas rien contre ça. Et si, il est tout, il résiste à la foudre. Merde. On te l'a dit, ah, il s'est tourné tout seul. What ouais, the fuck? Mais attends, mais il avait marqué qu'il était insensible aux étourdissements. Parce que c'est mon sort, il est étourdi. Ah, d'accord. Et bon, bah vu qu'il est étourdi, 100% de chance de toucher. Putain, 40 à absorber, mon gars. Il a pas écrit qu'il est insensible, t'as juste dit qu'il a résisté. C'est pas la même chose. Vas-y, tape-le. Tape-le, mon gars, t'as 100% de chance de le toucher, ça devrait aller.
mais je suis pas mal. Ah, tu fais 0 de dégâts. C'est abusé. Ok, ça c'est cool. Oup. Qu'est-ce qu'il est tanky, putain. Il faudrait un perce armure en fait. Ah, mais j'ai un truc comme ça. J'ai des flèches d'argent. C'est perce armure normalement. Vu qu'il est étourdi, il peut rien faire, ça c'est bien. Bon, justement, il l'a repris, mec. Heureusement que je suis là. Ah non, il l'a pas repris. Ok, 21. Tu vas crever. Et du coup, bah, flèche d'argent, écoute. Hein. 8 absorbés, quoi, abusé. Ah mon gars, t'es nul, hein. 100% de chance d'appliquer armure diminuée. T'as appliqué armure diminuée? Ouais, bah voilà. Voilà. Alors. Ah, je vais trouver quoi? Bon, potion de résistance au feu. Et prends la, prends la potion de moyenne de soin, vas-y. Et il est où la trappe? Ah, elle est là-bas. Je me suis étourdi. Il s'est électrocuté tout seul. Tout à fait. T'as trouvé quoi? Le pendentif carré. Ah. Go. Allons-y. Je passe devant. Oui. Voilà. Non, je vais parler au rat avant que lui meure parce que. Vous avez votre pendentif, c'est bon, tout va bien. Vous avez le pendentif demain, tout est ok. Allez, au bête, ça nous aide bien quand même. Hein. Passe le cachet. Ah oui, hein. Passe le cachet. Heureusement que je l'ai pris, hein. Attends deux secondes, je soigne Madora. Petite Madora. Oh, calme, hein. Quand je dis sauvegarde. Ouais, faut que je te soigne toi aussi parce que. Yeah, attends, c'est quoi? Ça sent mauvais, franchement. Ça sent trop mauvais. Arrête de parler à Manor, putain. Ça sent trop mauvais. Attends deux secondes, faut que je change mes flèches. Il y a trop de coffres partout, mec, ça pue. Ça pue de ouf. Mais, oh, viens, on va faire un coffre par un coffre, allez. Toi, tu m'as pas soigné en tout cas, hein. Bâtard. Ouais, deux secondes. Heureusement que j'ai ce sort de son, n'empêche. Du coup, t'as pris l'or et tout, là, ou pas? Allez. Oh! Livre de compétences invocation de guerrier mort-vivant. Sérieux? Ouais. Je me demande si je vais pas faire un peu de sorcellerie aussi, moi. Là, je t'envoie une grenade de poison. T'as ramassé quoi? T'as ouvert un autre coffre? Non, je vais ramasser l'or qui est par terre. Okay, les petites pièces, là. J'ai un parchemin de résurrection, 57 pièces d'or, une amulette, dernier en cuivre. Ouais, j'ai eu. Oh mec, tu peux m'identifier ça s'il te plaît? Et une dague à rouelle. Oh mec, t'as un putain de bâton, tiens. Vas-y, envoie tout ce qu'il faut identifier, je vais rien. Vas-y. Ah, ça c'est lourd par contre, ça c'est la richesse ça. C'est le début de la. J'ouvre le coffre. Oh merde. Oh, compétence pluie, ils sont sérieux. Tant pis, poignard, c'est pas mal. Et de la fleur de croupe, je te l'envoie parce que c'est toi qui fais des recettes d'alchimiste là. C'est tout? Mais pas un mort-vivant normalement? Ouais, mais il y a une tombe qui a l'air dégagée ici, c'est chelou. Ouais, bah a priori y'a rien. On dirait Tyrael. Je suis Tyrael. C'est cool. Non, bah ça se trouve c'est juste le donjon, la difficulté en fait c'était peut-être juste de tuer les doubles, hein, c'est tout. Hein. Ouais, bah du coup, bah super. Du coup, on va pouvoir terminer l'épisode là-dessus. Parce qu'on a quand même pas mal écrit. Petit donjon. Okay. Ouais, on a pris des gros dégâts, on a pris des gros risques, on a. Ça fait déjà 4 épisodes qu'on aurait dû aller voir Yveline, mais au final il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, voilà, tu es un jeu. Et puis on se voit prochain épisode.